ces documents que mon grand-père a volés, je me demande où ils peuvent être. MacPherson ! MacPherson, j'attends vos explications. Quoi encore, Browning ? Me prenez pas pour un con, MacPherson. Vous savez très bien que vous n'avez pas le droit de descendre. Écoutez, moi je fais avancer les choses au lieu de rester posé sur mon cul à attendre que ça vienne tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bon, ça c'est votre boulot, hein. Profiler des tueurs pour essayer de deviner ce qu'ils vont faire. Vous n'êtes pas censé les poursuivre en 4x4 dans des ruelles. Je crois que vous regardez trop la télé, MacPherson. Et dites-moi un peu, qui va payer pour l'équipement que vous avez démoli en bas ? Oh mais putain, envoyez-moi la facture si c'est ça ! Vous me laissez pas le choix. Vous êtes suspendu. Et vous répondrez de vos actes devant la commission disciplinaire. C'est pas la peine. Je démissionne. Vous renoncez. Ça m'étonne pas d'une sale petite bourge comme vous. Si on ne vous passe pas tous vos caprices, vous renoncez. Je vous emmerde, Browning. Vous me connaissez même pas. Peut-être, mais vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Oh mais si. Sinon une certaine liste de sénateurs et de hauts responsables pourrait bien être rendue publique. Une liste des clients d'un certain club SM. Oh mais au fait, il n'y aurait pas votre nom dessus ? Comment osez-vous ? Foutez-moi la paix, Browning, ou je vous donne en pâture à la presse. À propos, vous êtes marié ? Espèce de petite pute. Oui, mais trop cher pour vous, Browning. Il y a comme une bosse, là. Je dois trouver de quoi faire une entaille sans trop abîmer la peinture. Chouette programme. Un shot de vodka, un verre de bon vin rouge et un bain chaud. Bon, bah ce sera pour plus tard. Mmh,
Chouette programme. Un shot de vodka, un verre de bon vin rouge et un bain chaud. Bon, bah ce sera pour plus tard. L'une des peintures de mon grand-père qui date de son passage à Paris, j'imagine. Je vivais un cauchemar. Les souffrances d'Ida s'achevaient, mais les miennes ne faisaient que commencer. J'errais dans les rues, fou de chagrin. Pourquoi n'avais-je pas pu la protéger? Et si j'avais refusé cette affaire? Mais la douce voix de Milena m'avait ramené à la raison. Elle a suggéré qu'on se cache quelque part, car la police était certainement à ma recherche. Nous étions en sécurité chez Vladana, mais nous ne pouvions pas nous attarder. Nous avions tous nos raisons de quitter Prague. En ce qui me concerne, je voulais faire payer ce salopard. Nous avons quitté Prague sur un petit bateau et des amis de Roman nous ont conduits dans une autre ville. De là, nous avons pris le train pour Le Havre en France. Nous y avons acheté 4 billets pour New York. L'Amérique avait bien changé depuis mon départ. La pauvreté était au plus haut et l'économie au plus bas. Mais nous avons pu nous en sortir grâce à Merlation. Et puis j'ai reçu ceci. Un article y évoquait une série de meurtres à Chicago qui ressemblaient fort à ceux de Prague. J'appelais les autorités de Chicago, mais ils voulaient plus de preuves. Ce qui ne les a pas empêchés d'interroger Herbert Ackerman. Mais celui-ci disposait d'un argument de poids. L'argent, et en grande quantité. Il a ainsi sauvé son nom, mais n'a pu empêcher son fils d'être placé dans un asile. Craignant d'être accusé, je me suis introduit dans leur bureau pour trouver des documents qui pourraient me protéger. J'y ai trouvé la confession écrite d'Ackerman qui relatait l'histoire de son fils. Ce salopard est là où il mérite d'être, à l'asile. On m'a dit qu'ensuite, ils étaient partis vers l'ouest. Plus tard, un policier de Los Angeles m'a contacté à propos d'une affaire de prostituée assassinée et mutilée. Je lui ai envoyé ce que j'avais, mais j'ai refusé d'aller là-bas. Je ne voulais pas perdre encore la femme que j'aimais. J'avais épousé Milena et nous vivions à Chicago. Mes affaires se résumaient de nouveau aux disparitions et aux adultères et ça me suffisait. Allô? Salut ma puce, c'est moi. Hé, quoi de neuf? J'ai répondu au téléphone depuis ton bureau parce que ça n'arrêtait pas de sonner. Bon, bref, je tombe sur un type, faclaf, machin truc, enfin complètement hystérique, qui dit qu'il a entendu du bruit et un hurlement chez sa voisine. Je pensais que c'était peut-être important ou que tu saurais de quoi il parlait. Oui, t'as bien fait de me prévenir, merci. Oh, et tu as trouvé quelque chose dans les fichiers auxquels tu essayais d'accéder? Oui, pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais bon, ça m'a mis sur une nouvelle piste. Je vais aller à Los Angeles. Ça serait trop long de t'expliquer ça maintenant. Mais je te raconterai dès que j'en aurai l'occasion. Avant ton départ, j'espère. J'essaierai. En attendant, il faut que j'aille voir ce qui se passe sur le campus. Ok, ma puce. Sois prudente. T'inquiète, ça ira. Bye.
Mia ? Oh non ! Mia ! L'agent Victoria McPherson. J'ai besoin d'aide. Oui, madame. Communiquez-moi l'adresse ou le lieu, s'il vous plaît. Je suis à l'université. Je suis... Si Mia n'est pas là, c'est peut-être qu'elle est encore en vie. Collard n'a pas réussi. Eh, c'est le sac à main de Mia. Ça pourrait m'être utile. Où a-t-il emmené Mia? Réfléchis, Victoria, réfléchis. Les messages qu'il a laissés. Bien sûr, les tableaux! Je peux utiliser l'ordinateur de Richard pour trouver un emplacement possible.
Grand-père avait sans doute raison. Peut-être qu'Ackerman avait un contact à l'extérieur. C'est ce que je vais essayer de trouver là-bas. Celui-ci a déjà été copié par le tueur. C'était la quatrième victime, Nathalie Kenworth. Elle a été retrouvée dans les égouts. Le tueur a déjà représenté ce tableau. Pauvre Stéphanie. Je ne pense pas que notre tueur ait pris l'avion pour Prague. C'est une scène de meurtre et notre tueur ne l'a pas encore utilisée. Ça doit être Fantiska, la victime du cinquième meurtre trouvée sous le pont. Ça doit être le pont Charles. Je reconnais Apollina, la victime. Le tueur n'a pas utilisé ce portrait. Ce drap rouge flottait sur l'eau à côté de son corps. Ce drap rouge flottait sur l'eau à côté de son corps. Un jour, Ackerman a dit à mon grand-père que c'était son chef-d'œuvre. Notre tueur n'a sans doute pas encore atteint le sommet de son art macabre. Sanctuaire perturbé. Nous avons déjà vu celui-là. Cynthia Woods, la cinquième victime. Un autre de la série Chicago, ça ressemble au port. Celui-là est tiré de la série Los Angeles d'Ackerman. Comme l'a dit Richard, ça doit être le médecin de Mark. Probablement de l'hôpital psychiatrique de Los Angeles. Un autre de la série Los Angeles. Il n'y a rien là-dedans qui soit en rapport avec Chicago.
C'est une scène de meurtre et notre tueur ne l'a pas encore utilisée. Ça doit être Francisca, la victime du cinquième meurtre trouvée sous le pont. Ça doit être le pont Charles. Je ne pense pas que notre tueur ait pris l'avion pour Prague. C'est ça. Ça doit être ça.
ma puce, j'ai entendu que tu étais sortie de l'hôpital. Comment te sens-tu? Oui, ça va. Ils ont trouvé le corps? Non, pas encore. Ils continuent à draguer la rivière et à envoyer des plongeurs. Putain. Je sais ce que tu ressens. Moi aussi, je suis pour la fermeture. J'ai pris mes billets pour Los Angeles. Tu continues de croire que tu trouveras des réponses là-bas? Tu l'as eu, ma puce, c'est fini. Pas pour moi. Je te laisse, Claire. Je vais.